D'abord, né à Cambrai, petite ville du Nord, des gens très modestes. Pendant la guerre, avant la guerre, avant la, 1934, ma naissance, donc j'ai connu la guerre, Seconde Guerre mondiale à Cambrai. Hein. Et les gens du Nord, on a été occupés par les Allemands deux fois. Donc, et alors, qu'est-ce qui se... Bon, famille très, très modeste, très, très modeste. Et avant la guerre, plutôt des gens plutôt socialistes, plutôt. Hein, mais bon. Pendant la guerre, vague de prières pour sauver la France. Donc, ma mère, ma grand-mère, tous vont à l'église tous les samedi, dimanche, pour prier pour la victoire de la France contre les Allemands. Et donc, après la guerre, au lieu de voter de Gaulle, comme beaucoup, ils votent pour le MRP, qui était le parti de Bidault, plutôt résistant, mais catholique. Pas... De Gaulle aussi était catholique, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas la même orientation, quoi. Alors, pendant la guerre, mes parents estime que le lycée, c'est que des athées, quoi, c'est des fils d'avocats, de médecins qui ne croient pas vraiment en Dieu, quoi. Et donc on me met à l'école tout jeune, chez les frères des écoles chrétiennes. C'était pour le peuple, les pauvres, dans le quartier pauvre. Et donc, oui, il paraît que j'étais très brillant et que les frères appellent ma mère, et ma mère, ma grand-mère, elle avait du mal à écrire le français. Elle avait appris à lire, mais pas à écrire vraiment. Et donc... les frères appellent ma mère, j'avais 8 ans et demi, en disant il faut qu'il rentre en sixième. C'était 2 ans ou 3 ans avant les 11 ans normaux, ce qui était une erreur quand même qu'ils ont faite. Mais oui, mais ils ne pouvaient pas payer parce que entrer au collège Notre-Dame-de-Grâce, pas au lycée, hein, évidemment, les frères. Et c'est un collège privé, c'est toute la grosse bourgeoisie catholique, ou c'est les gros propriétaires autour de Cambrai, catholiques, donc mes parents ne pouvaient pas payer. Donc j'ai appris qu'ils avaient fait un contrat, que j'avais découvert quand j'avais 13 ans, que quand j'arriverais en première et en philo, je serais surveillant d'études pour pouvoir... rembourser ma scolarité, quoi. Donc à ce moment-là, 8 ans et demi, on m'a fait doubler la sixième, parce que là ça a été négatif, parce que j'étais toujours premier sans rien faire. Donc j'ai appris à ne rien foutre comme ça. C'était mauvais, quoi, c'était des bêtises. Il ne fallait pas me faire entrer si tôt. Et en plus, au collège, on était bon en latin et en grec, mais pas en maths. C'était des profs stupides, très illettrés, quoi. Enfin, c'est pas le niveau, quoi. Ce qui fait que, à la fin de... J'ai passé le bac... à l'époque, on devait prendre la Micheline de Cambrai. On passait l'écrit à Cambrai, une petite ville, et on passait l'oral à Lille.
Donc la première fois de ma vie où j'ai quitté Cambrai, c'est pour prendre la Micheline à 6 h du matin pour aller passer l'oral du bac. Alors, pour te donner le rôle de la contingence, le rôle des contingences, c'est fondamental dans la vie, quoi. Donc, j'ai loupé la mention très bien. À l'oral, je devais être tout prêt, mais bon, j'avais la mention bien. Bon. Mon père et moi, la salle se vide, il est midi et demi, 1 h, je sais pas quoi. Mon père et moi, on n'avait rien à faire qu'à attendre pour aller manger des frites. Hein. Des frites auprès de la gare, comme les gens du Nord. Et donc, on était tous les deux au fond de la salle, prêts à partir, et le président du jury, sur l'estrade, il est en train de fermer sa serviette. Il nous voit tous les deux, donc il nous appelle et il me demande: qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Moi, j'aime bien la philo, je lui dis, c'était le bac philo, hein, tout. Alors, vous allez aller où? Je sais pas. Peut-être à la faculté catholique de Lille, ça existait, tu vois. Lille. Et donc, il me dit: attendez une seconde. Et il écrit un petit papier. Voilà, si vous avez le temps, allez au lycée Federbe, donnez ça au concierge pour le proviseur du lycée Federbe. On ne savait pas où c'était, on part, on trouve le lycée Federbe, on donne au concierge et arrive le proviseur en pantoufles, je me souviens. Aussitôt, il nous fait entrer dans un petit salon à côté de la loge du concierge. Et il dit: asseyez-vous, donnez-moi votre bulletin. Il me donne. Il regarde mon bulletin, il dit: bon, ben, vous allez entrer en Hippocagne en septembre. Je ne savais pas ce que c'était, moi, l'Hippocagne. Oui. Et il dit à mon père, phrase que je n'ai jamais oubliée: monsieur, vous n'avez pas l'air très riche. Voici un dossier de bourse pour votre fils. Donc, le 5 septembre, je rentrais en Hippocagne, lycée Federbe, et avec une bourse. Tu vois, voilà la contingence, magnifique. Ouais. Sinon, j'aurais été à la faculté catholique. Ouais, je sais pas. Bon. Fin de l'Hippocagne, Revaud d'Allonne, qui était prof de philo, me dit: il y a un type très fort qui arrive, là, il est fort, à 600 de psycho, là, faut que tu ailles le jeudi l'écouter à l'université. Là. Là, je dis: bon, c'est qui ça? Ah, c'est Michel Foucault. Bon, très bien, donc, tous les jeudis, je rencontre Foucault. On se saoulait la gueule beaucoup. On est bon. Il me fait passer deux examens de licence de psycho en me disant: Maurice, quelle question tu veux que je te pose? Bon, ça va, ça va. Et à la fin, il me dit: écoute, tu peux pas rester ici. Et sans que je le sache, il me fait entrer à Henri IV. Il organise mon transfert complet. Moi, je ne savais pas. Henri IV, Paris. Oh putain. Deuxième circonstance, quand même étonnante. Hein. Je suis en Cagne, Henri IV. Je rencontre ma première épouse, d'ailleurs. Le samedi, j'allais la voir, mais elle travaillait comme fille au père chez des Bourges du 16e. Donc, à minuit, j'étais viré parce qu'on ne reste pas la nuit avec une femme, quoi, tout ça. Tu vois, bonne éducation, quoi. Et moi, j'allais chez Foucault. Donc, tous les samedis, je couchais chez Foucault.
Probablement, il était un peu amoureux de moi parce que il faisait mon petit déjeuner le dimanche. Il me racontait des. Il me lisait des poèmes, tout ça, bref. Mais moi, j'étais hétéro, puis je n'avais pas d'idée du tout de la diversité des sexualités, tu vois. C'était pas. Bon, enfin, bon, ça m'a rendu service. Ouais. Bon, il se fait que j'entre à Normale Sup Saint-Cloud Major. Non, j'étais premier là. Un peu par. Enfin, je ne peux pas dire que c'est un hasard, quand même, tout à fait, parce que j'étais bon, mais il y avait une épreuve de géographie et. Pendant que le matin à 8 h, je prends le métro pour aller faire mon épreuve, j'ouvre un livre de géographie et c'est la question qu'on m'a donnée après. Donc là, j'ai cartonné très fort, là. Mais bon, j'étais déjà. Bon. Je passe à Greg, figure-toi que il y a trois questions à la Greg, trois dissertations. La première dissertation. Je trouvais que c'était bien, intéressant. Je suis premier, paraît-il, mais je ne savais pas. C'est après qu'on me l'a dit. Deuxième dissertation, un dialogue entre Aristote et Spinoza. Je faisais chier, là. Je descends, paraît-il. Paf. Troisième dissertation, c'était La douleur est-elle utile? Bon. Donc, je suis admissible. J'apprendrai plus tard que j'étais dans les 60e, près de la queue, quoi, tout à fait. Alors je fais, paraît-il, un oral canon. Toutes mes notes étaient. Je me retrouve 5e. Je remonte 50 pages. Donc le jury me dit vous nous avez surpris. C'est vrai aussi que. Sur la douleur est-elle utile? J'avais transformé le mot maladie en mal et j'avais fait une dissertation pour montrer que le mal, c'était le péché qu'il y avait en nous, c'était des merdes catholiques épouvantables. Et donc le jury me dit, vous nous avez beaucoup surpris, surtout votre troisième copie. Alors j'ai dit, bah, écoutez, ça les sujets. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que les sujets ne m'intéressaient pas. Voilà, vraiment. Bon, mais en fait, c'était Souriau qui était président du jury, c'était la fille Bachelard qui était. Bon, oui, mais à l'oral, j'avais eu comme sujet, un sujet terrible de grand oral. C'est les trucs qu'on fait à la Sorbonne. Tu as 1 heure, tu tires le matin, tu as 6 heures de préparation, tu passes l'après-midi, etc. Et là, j'avais tiré comme sujet la notion de. Oui. La notion de formel dans la logique formelle. Oh putain! Les mecs, quand ils m'ont vu tirer mes collègues concurrents, ils ont dit, il est mort ce type. Sujet pareil. Et malheureusement, j'avais fait mon diplôme avec Canguilhem sur logique formelle, logique transcendantale et logique dialectique chez Kant et chez Hegel. Et donc, pendant 2 heures, à l'oral, j'étais là, je ne faisais rien. Les huissiers me disaient, mais vous avez besoin de livres, monsieur? Pas du tout. Du tout. Pas du tout, évidemment. Donc, les types qui croyaient que j'étais mort, là, en fait, j'ai eu une note canon. Donc, j'ai réussi un très bel oral. Un mauvais écrit, je m'en tire pas mal, et le jury me dit
Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, monsieur Godelier? Ben, je dis surtout pas de philosophie, monsieur, surtout pas. Je peux pas passer ma vie à philosopher sur la philosophie. Je peux pas. Beaucoup le font, mais pas moi. Oh, un peu impertinent quand même, non? Un peu. Mais j'ai dit, je voudrais apprendre quelque chose d'autre, pour pouvoir philosopher sur quelque chose d'autre que la philosophie. Ah bon? Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Pff, écoutez, je viens de me marier et j'ai déjà une petite fille. J'aurais voulu faire de la médecine, mais ça va durer trop longtemps. Ça va. J'aime beaucoup les maths, mais je suis pas très bon quand même. Donc, pour des raisons politiques, j'aimerais l'économie, d'étudier l'économie. Très bien, on vous donne une année d'école normale en plus. Cultivez-vous. Troisième grande contingence. Troisième grande contingence, hein? Donc, je te dis, pour moi, la contingence, c'est bon. Alors, je ne sais pas comment je suis arrivé, je n'ai pas de souvenir. Je vais au CEP, Centre d'études et de programmation économique. C'était le centre de formation du personnel pour le commissariat général au plan de Gaulle, hein, qu'il avait créé pour la reconstruction de la France, là. Donc je me retrouve avec des polytechniciens et des centraliens quoi, pendant un an. C'était le centre dirigé par Malin Vaux, qui est ensuite allé devenir prof au Collège de France de macroéconomie, quoi. Et un type très bien, quoi. Mais c'était l'économie libérale, hein, c'est tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des modèles mathématiques, soit d'économie planifiée, de type socialiste, puisqu'il y avait une planification française, soit une économie de marché, concurrentielle. On mettait des équations. Bon. Et j'étais pas bon en maths, donc par rapport à mes collègues, quoi, c'était. C'est pas parce que tu es agrégé de philo que tu es compétitif avec des polytechniciens qui ont fait que des maths. Et donc je faisais des erreurs tout le temps. Les gens souriaient parce que quand il fallait trouver 0,2, moi je trouvais 2, ou l'inverse. Mais bon, ils étaient pleins d'indulgence pour moi. Et à ce moment-là, comme j'avais suivi des cours à la Sorbonne, de Bettelheim, l'économie socialiste, hein, comment il s'appelait aussi, professeur de. Ça va me revenir, d'histoire économique de la Sorbonne, enfin bon, bref. Ces gens-là me disent il faudrait que vous alliez voir Braudel. Braudel. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il faudrait que vous alliez voir Braudel. Mais attention, vous êtes communiste ou jeune communiste, parce qu'ils étaient tous, hein, Foucault, tout le monde, ou bien ils étaient trotskistes, etc. Après la guerre, la rue d'Ulm, c'était majorité des devenus jeunes communistes, quoi. Où il y avait Châtelet qui était trotskiste. Bon, passons là-dessus. Alors on me dit, faites attention parce que Braudel, c'est un chasseur de sorcières. Il est bien connu comme professeur au Collège de France, mais il était inspecteur général d'histoire et il était terrible avec la gauche. Bon, très bien. Je vois Furet un jour, qui était lui communiste ardent avant de devenir ce qu'il est devenu. Et puis une femme qui était communiste, oui, qui était la fille d'un haut dirigeant communiste, mais qui était prof déjà quelque part. Ils me disent, fais attention quand tu vas voir Braudel, tu vas être jeté tout de suite.
Alors je vais rue de la Baume, à l'époque, Bordels, il n'était pas encore installé au boulevard Raspail. Hein. Le boulevard Raspail n'avait pas été destiné à l'école et aux études, mais il était plus ou moins destiné à l'UNESCO, tout ça, bref, passons. Donc je vais voir Brodel, là-bas, rue de la Baume, à côté des Champs-Élysées, là. Et quand j'arrive, moi je ne connaissais pas les lieux, tout ça, je suis introduit par Clément Seller, qui était le patron de la MSH. Et Brodel, sur le pas de la porte, me dit, voilà, avant de vous dire non, je voulais vous voir. C'était pas marrant. Avant de vous dire non, je voulais vous voir parce que j'ai plusieurs de mes collègues qui m'ont donné des appréciations sur vous. Donc, voilà. Asseyez-vous. Je ne vous regarde pas. Mettez-vous à l'aise. Avec des beaux cheveux blancs et tout. Et il commence des questions. Paf. Qu'est-ce que vous pensez de Descartes? Qu'est-ce que vous pensez de Marx? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas. Je ne suis pas emballé par l'économie mathématique formelle. Je voudrais faire autre chose. Et j'ai découvert, c'est vrai que j'avais découvert l'existence de l'anthropologie économique. Et en bon normalien, je lisais Keynes, mais dans le texte, pas en résumé, comme les élèves de l'université résumé de Keynes. J'avais lu le Capital entièrement, avant Althusser quand même. Hein. Et j'ai dit, écoutez, j'ai découvert qu'il existe aux États-Unis, en Angleterre, l'anthropologie économique. Ça n'existe pas en France. Bon, ça m'intéresse, quoi. C'est concret, quoi. Bon, ça dure pendant 30 minutes, tout ça. À la fin, il prend le téléphone. Il y avait deux téléphones, je me souviens. Moi, j'étais là. Allô? Oui, monsieur Velay. Alors, monsieur Velay, c'est l'administrateur général de l'école des hautes études. Monsieur Velay, oui, j'ai un jeune homme devant moi, là, mais il est brillant. Mettez-le sur ma liste, chef de travaux. Ah, il reporte. Il me regarde. Vous m'avez compris? Non, c'est pas. Oui, vous êtes inscrit comme un de mes chefs de travaux là, à partir de l'année prochaine. Ben, je vous remercie, monsieur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis pas historien, je ne suis pas. Cultivez-vous. Ben, cultivez-vous. Oh, bon. Et alors, je le remercie. Et il m'accompagne jusqu'à la porte de façon très paternelle, me tenant par le bras. Et au moment de franchir la porte, il me dit, il y a quelques noms de collègues que vous avez mentionnés, mais je ne les aime pas. Donc il m'indique tout de suite. Alors je passe un an ou deux, un an au moins chez lui, à son séminaire, et j'étais alors le séminaire, c'était les profs d'histoire des universités de Toulouse qui venaient faire leurs cours, Toulouse, Rennes, Strasbourg, devant le monsieur Brodel. Il était très, très dur, et alors. Il m'appelait, mon petit Maurice, tu me feras le résumé tout à l'heure. Putain,
c'était pas facile, quoi. Après, il me donne un livre, Métro, peux-tu résumer le livre de Métro? Ok, je lui résume, je reviens avec 7-8 pages, il dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Pour les annales, c'est 2 pages. Apprends à être concis. Un jour, il me donne la critique de la raison dialectique de Sartre. 600 pages. J'ai dit, Maurice, tu peux me traduire un peu Sartre, je ne comprends rien. Il y a 50 pages sur Braudel, je ne comprends pas ce qu'il dit sur moi. Praxis, praxéologie, c'est quoi ça? Bon, bref, j'apprends un jour, je reçois un coup de téléphone. Mon bureau était au-dessus de celui de Braudel. Hein. Et les Braudel, on était venu de la rue de la Baume, on était venu devant le Premier ministre, la rue de. Comment s'appelle la rue du Premier, de Matignon. Là. Et là, il avait loué avant d'arriver à la Maison des sciences de l'homme, on avait. Donc je reçois un coup de téléphone et de Monsieur Velay, le fameux. Voilà, Maurice Godelier, là, je vais vous dire que Monsieur Braudel ne veut plus de vous comme maître assistant. Mais vous serez maintenant maître assistant de Lévi-Strauss. Moi, je suis quand même étonné. J'avais lu donc Le Capital et j'avais écrit un article Structure et système dans Le Capital de Marx, parce que j'avais choisi tous les passages où il parle de système capitaliste, de structure des rapports de production. Donc, j'avais isolé tous les mots structure, système pour montrer que ben, quand il écrivait Le Capital, il était dans la modernité, quoi. Il voyait les choses comme un ensemble systémique, ou système, etc. Bon, Lévi-Strauss, ça m'avait envoyé une petite lettre en disant merci pour votre article, j'ai lu avec intérêt, et je vous informe que quand j'avais passé mon DEA, diplôme d'études avancées, c'était sur Marx. Confidence. Et donc j'apprends que je suis viré sur le compte chèque de Lévi-Strauss, si on peut dire. Et donc moi, je connaissais pas le type. Je prends le bottin, Lévi-Strauss, Claude, rue des Marronniers. 4h15, il pleuvait, je me souviens très bien. Moi, je téléphone. Il ne faut jamais téléphoner à Lévi-Strauss l'après-midi. Il rentre à 2h dans son labo, dans son bureau. Il travaille dans le silence, enfin, dans le silence, avec toujours de la musique. À 7h, il arrête. À 8h, il mange sa soupe. À 9h, il se couche comme Kant, quoi, presque. Moi, je ne savais pas, quoi. Donc je téléphone. Oui, monsieur Lévi-Strauss, oui, bien sûr. Oui, je suis Maurice Godelier. Oui, je viens d'apprendre, monsieur le professeur, que j'allais devenir votre maître assistant, là. Oui, je suis au courant, bien entendu. Mais monsieur le professeur, en aucun cas je ne vous serai imposé. Mais pas du tout. Est-ce que vous êtes libre vendredi prochain à 8h moins 3? 8h moins 3, à l'entrée du laboratoire, je vous attendrai. Alors donc, 8h moins 3, j'arrive, bien sûr, c'était à l'époque le labo. Lévi-Strauss, c'était
Musée Guimet.